Sango na komi yuma na lela mama. Oh yeah yeah.
mobonso ebotelinga souffrance mpo ya bana na kanga motema lelo na sede cherie nandi misusi ya bana na po bazanganga na lela sisteme ngai na lela fugase na lela onose Melody Minzata, Olobi Makomi Kiboba Mawa Oni mi bala mokili di chanda chanda boye zambe Mawa Kapari na pasita patipe banana mapeti moye Somo Lelo azi Minzata, Arobi Kalankomi Kiboba Nalila mama Oye ye ma marateye Nalila mayoli ye Nalila Franco Oye ye ma marateye Nalila parahe La profa, oh yeah, yeah, ma la mena, na le la yunu, oh yeah, yeah, ma la la mabia la Bernard.
Minzata, disons chez nous, ça veut dire en argot quoi. Minzata, c'est l'argent. C'est une ancienne appellation de. Mais même si vous demandez les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas ça. Mais c'est vraiment ancien. Dans les années 50, 59, 60, quand on dit Minzata, donc c'est l'argent. Maintenant c'est Mbongo. Non, même longtemps, il y avait. Il y a Mbongo, Minzata, Lar, Dango, il y a beaucoup de noms. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc, dans Minzata, c'est-à-dire, bon, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je prends une femme. Je n'ai pas. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent, j'ai une maison là, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de biens. Donc, petit à petit, je commence à avoir l'argent. Après, beaucoup d'argent. Mais, quand j'ai maintenant beaucoup d'argent, je trouve que la femme là ne me convient plus. Je dois changer. Tu vois? Bon, c'est la femme maintenant qui se plaint. Que quand on était pauvre, quand tu étais pauvre, j'étais avec toi. Mais maintenant, quand tu as eu beaucoup d'argent, tu ne veux plus de moi, tu préfères aller prendre une petite fille qui a de. Voilà. C'est ça.